doesn't matter to any of us. Don't change the subject, I'm heavy on your love. I miss that train, New York City rains. Fly to East LA in big jet planes. You know you're my... Bonjour et bienvenue dans le vlog numéro 26. J'ai giga chaud les gars. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Je vais vous montrer mon petit haul action. Je n'ai plus de bol parce que j'ai cassé tous mes bols et du coup il y avait ces petits bols blancs. J'adore les bougies, surtout les bougies rouges, donc j'ai pris deux bougies de deux styles différents. Du papier cadeau parce que c'est bientôt Noël et qu'il faut que je fasse des cadeaux à des gens. Un petit plateau en bois, deux petits pots qui coûtent 50 centimes. Un nouveau petit miroir pour ma coiffeuse, des vos blancs. Parce que voilà, ça fait joli, ça fait du vert et y a pas besoin de s'en occuper. Ce petit pot en bois que je vais mettre sur moi, la chaussure, et ça, j'ai vu ça, j'ai fait oui. Et enfin les amis, toujours plus de petits paniers. Maintenant du coup, j'ai bien envie de mettre tout ça un petit peu partout. Le truc c'est que ce soir, nous allons regarder Koh-Lanta les amis. C'est le retour des Koh-Lanta avec Alice. On va partir à 18h. Et là, il est 14h30. Donc, je vais faire du rangement jusqu'à 16h. À 16h, j'écris parce que j'aime bien quand même me garder 2 heures d'écriture. Parce que c'est important, parce que c'est le nano. Et parce que là, depuis 2-3 jours, je suis trop excitée à propos de mon livre. Je pense que depuis que j'ai découvert que j'allais beaucoup plus allonger leur relation et les faire galérer, j'ai plein d'idées, des gars, pour les faire galérer. Genre, hier, j'ai pensé à une scène qui va être une autre Crisette. J'aimerais bien qu'elle ait le temps de faire un date avec quelqu'un d'autre. Nézir le sache. Et que ça le mette dans une rage énorme en fait. Je veux qu'il soit jaloux. Je veux qu'il pète un câble. Et je veux qu'il se dise je suis en train de faire quoi là. Et qu'il revienne en mode grande gesture à la fin. C'est moi qui te faute. Bref, donc je me fais des petits films comme ça. Je ne sais même pas qui va rester dans le livre ou pas. Les scènes qui vont oui ou non. J'avance un petit peu à l'aveuglette, je dois vous avouer. Je vais terminer ma discussion. Et après la discussion, en fait, il y a 2-3 scènes cool qui arrivent après. Et c'est là où je vais commencer à être paumée. Je pense que demain, ou après-demain, on va se faire une petite séance outline pour mettre ça au clair, parce qu'il faut que je me cadre. Petit instant chanson, les amis. Si vous êtes sur TikTok, vous avez sans doute vu passer cette madame. Très très bien, j'aime beaucoup. Étrangement, je sais pas pourquoi, mais Sign of the Times, c'est aussi taper l'incruste dans la playlist, donc bienvenue dans la playlist. Donc aujourd'hui, je vais passer aspirateur serpillière dans le salon, et je vais m'occuper du fameux chauffe-eau. Il faut que je trie ça, que je trie ça, et ça, ça doit être beau, ça, ça doit être beau, ça, ça doit être beau, et ça là, il faut que ce soit beau, voilà. C'est parti! And if the world don't break, I'll be shaking it, 'cause I'm a young girl after all. Ooh. And when the seasons change, will you stand by me? 'Cause I'm a young girl built to fall. I'm in tatters thinking about her. Taste my disaster. It's heavy on my tongue. C'est là quand même que je me rends compte le nombre de merde que je garde chez moi. Go to watch the show, curtains closed. I'm watching you this time. And if the world don't break, il est 16h, je vous avais dit que je commencerai à écrire à 16h, sauf que là, les gars, j'ai la tête comme ça en fait. J'ai tout rangé, j'ai pas la foi de terminer aujourd'hui. Là, j'ai juste envie de dormir en fait. Et comme demain, je me lève à 4h pour aller travailler, je pense qu'il faut mieux que j'aille faire une petite sieste. Le réveil sera à 17h et on écrira dans le lit tout chill avant d'aller voir Koh-Lanta. 'Cause I'm a young girl after all. Et en fait,
fait, je me rends compte que comme il fait pas beau et il fait gris et le soleil se couche à 16h depuis 3 jours, j'ai l'impression que ces vlogs sont nuls. Ça impacte de ouf ma motivation cette histoire là. New York City, rains. Fly to East LA in big jet plane. You know you're my mind. Oh, oh, oh. Fly to East LA in big jet plane. And if the world don't break, I'll be shaking it. 'Cause I'm a young girl after all. And when the seasons change, will you stand by me? 'Cause I'm a young girl, good as falls. J'ai terminé ma scène. Je savais que je devais terminer la conversation et je savais qu'il y avait 2-3 petits trucs que je voulais qu'ils se disent, mais en soi je les ai un peu laissés se parler. Ça c'est un peu le danger quand on écrit des dialogues. J'aurais pu les continuer à faire parler de tout et n'importe quoi, mais il faut aussi savoir recadrer pour que la conversation elle aille dans le sens que tu veux. Et donc en gros elle lui a dit bah oui j'ai 2 sœurs. Et lui pour rigoler il dit waouh mais attends il y en a 3 comme toi là. Et en fait elle finit par lui dire la fameuse phrase. C'est drôle, on est un peu comme des droites parallèles toi et moi. Attends ouais je suis pas sûre de comprendre. On est un peu les mêmes et on aurait pu passer notre vie sans nous croiser alors qu'on était genre super proches. J'essaye de trouver un autre titre pour ce livre. J'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse être parlant et dans les maths et dans le cinéma. J'avais demandé à ChatGPT la dernière fois de me donner des mots qui pourraient être valables et il n'y avait pas grand chose. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose et surtout il n'y avait rien qui me vraiment ça me tiquait tu vois. Et j'aime bien en fait tu sais le concept voir une vie comme un trait. Quand tu rencontres quelqu'un qu'une seule fois dans ta vie, hop, droite séquente. C'est un peu un côté poétique, genre des fois tu peux finir ta vie avec quelqu'un, mais ensuite bah, vous vous re... Arriver en fait à dessiner ta vie avec celle de quelqu'un, avec des petits bâtons. Et lui dire, attends, explique-moi en quoi est-ce qu'on est les mêmes, ce que je comprends pas trop, genre... Bah ouais, on a 25 ans et nos sœurs nous tracassent. On est passionnés, mais on n'arrive pas à se reconnecter à cette partie-là de nous-mêmes. On est censé être des adultes, mais on se sent comme des imposteurs et on a honte. Et là, Désir, il est en mode... Attends, what, slow down. Genre, tu m'exposes un peu trop facilement, là. De quoi tu peux possiblement avoir honte. Et en gros elle lui dit bah tu sais jusqu'à il y a un mois j'avais jamais eu d'homme dans ma vie. Et il lui dit mais on s'en fout de ça. Elle lui dit non, toi tu dis ça parce que ça a jamais été un problème pour toi mais crois-moi que si c'est très lourd à porter. Et après il lui dit mais du coup c'était quoi ta grande passion? Qu'est-ce qu'elle ne fait plus Maya? Il y a des fois dans mes livres des trucs que j'oublie moi-même et puis d'un coup je m'en souviens et je me dis oh mais c'est génial, ça coïncide parfaitement. Genre la meuf écrit des livres qui coïncident sans faire exprès. Et en gros c'est le piano. Vous vous rappelez que Maya joue du piano? Pourquoi t'as arrêté? Elle lui dit bah s'il y avait trop de souvenirs. Il insiste pas trop mais j'aime bien parce que ça lance la première petite pierre que le J quoi, le J c'est le S. Nous allons avoir une scène époustouflante dans ce livre qui est que Maya elle va revoir le J alors qu'il y a Nézir à côté d'elle. Cette scène is going to be the death of me. Je ne sais pas comment elle va être, je ne sais pas comment ça va sortir et je pense que je vais découvrir comment ça va sortir sur le moment mais ça va être un énorme moment pour Maya et tu sais à la fin elle va être un peu en mode la crise de panique qui est en même temps un fou rire qui est en même temps une libération folle. Et ensuite il s'endorme et en fait Nézir il est là et lui il arrive pas à dormir parce qu'en fait il a dessiné pour rigoler les 2 droites parallèles qui finissent par se rencontrer sur le petit tableau Velleda et il regarde comme ça et il est en mode qu'est-ce qui va se passer après ce point de rencontre. Donc genre moi j'ai dessiné ça, est-ce qu'il se passe ça ou est-ce qu'il se passe ça et du coup ça le perturbe. Donc voilà, petite scène toute mignonne. Donc là je vais me préparer, je vais aller chez Alice manger une raclette et voir Koh-Lanta et demain les amis on travaille le matin à partir de mercredi. Il se passe des choses de dingue. Il est horrible. Oh comment j'aurais mis ça. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais un grain de sable là-dessus. Attends, Guillaume, tu vois. Peut-être que Frédéric sort ce soir. Allez, ciao Guillaume. Trop dangereux. Allez plus go. Non. Hugo. Est-ce qu'ils font exprès de mettre tous les Hugo en premier? Allez Frédéric. Ça commence. On y va. Il est intéressant, ouais. Il rend le jeu intelligent. Et il se pisse dessus là. Frédéric, il est chiant, mais il est intelligent, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'aime bien. On appelle ça intelligent. Intelligent, c'est très bien. C'est... Frédéric. Je crois que j'y crois là. J'y crois de ouf. Frédéric. Oh, regarde sa gueule. Oh, Jacques. 6 voix, Frédéric. 5 voix, Hugo. Dernier bulletin. Et le dernier. Peut-être décisif. Oh, Jacques, il est choqué. Ouah! Allez récupérer votre flambeau. C'est incroyable!
C'est incroyable. Jacques. Jacques, je me sens totalement. Ah non mais là j'ai les jambes coupées. Sophia, pardon, mais. Je comprends pas pourquoi je prends tout sur moi. C'est honteux. T'es pas une victime, Charlotte, on n'a jamais dit qu'on va mettre ça.